Ah bah tiens, allez. C'est le vernissage de notre exposition KS du CNRS qui a été sélectionnée deux fois. Une première fois dans le cadre du concours Photofolie, que nous organisons tous les ans, et qui a été également sélectionnée par Visa Off. Les photos sont exposées au rez-de-chaussée des Galeries Lafayette. Il y a 29 photos de nos adhérents KS de toute la France. J'ai présenté une de mes photos au CNRS et au KS. Ils l'ont prise pour, dans le cadre du festival off de Perpignan. Et, le côté vraiment urbain qui se dégageait avec les voitures qui passaient, les motos, la voie d'autoroute qui passait au-dessus, les immeubles autour, toutes les lumières, et voilà, ça m'a plu. Et je me suis dit pourquoi pas la présenter, quoi. C'est la première fois de ma vie que je suis exposé, et peut-être pas la dernière, enfin j'espère. Et ouais, je suis assez fier de moi quand même. Alors je suis le président du Festival Off de Visa pour l'image à Perpignan, Didier Wary. Voilà, je représente une équipe de bénévoles dans cette association qui présente des expositions de photographes amateurs. Alors le Visa Off, c'est un festival qui est organisé par les commerçants de Perpignan pour attirer dans les rues et faire découvrir les rues et les commerces de Perpignan à l'occasion de Visa pour l'image. On a des expositions dans des hôtels 4 étoiles, on a des expositions dans une boucherie. Donc voilà, c'est créer un petit peu cette cohésion entre voilà, le public et nos commerces et les photographes. Jean Marbat, on l'avait vu sur les grands écrans, qui fait aussi de la photo, et vous verrez, ce sont vraiment des photos de qualité. J'étais très, très heureux parce que j'ai pu montrer un peu de mon travail. Des fois, ces festivals sont vraiment des sources et des ressources de culture. Je pense que tout le monde a envie, surtout quand on a un téléphone, de participer à ça. Amateurs, c'est parce que peut-être ils ne les vendent pas. C'est comme souvent les gens qui font du théâtre amateur. Mais ça n'empêche pas que c'est de la culture et il y a un âme derrière. Et peut-être on a la chance de découvrir quelqu'un d'un grand talent aussi.